Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais mon wrap-up du mois de juillet. J'ai peut-être pas lu autant que je l'aurais souhaité au mois de juillet, mais au final, je suis quand même assez satisfaite du total de livres que j'ai lus. Donc j'ai lu 5 romans et 3 BD, donc je vous présente ça tout de suite. Les 3 premiers livres que j'ai lus, en fait, je les ai déjà présentés dans mon précédent top date lecture pour le mois de juillet, donc je les présente aujourd'hui rapidement. J'ai donc lu le livre The Catch de Kay Bromberg, qui est le deuxième tome de la duologie The Player, et j'ai donné une note de 4.25 sur 5 à ce livre-là. J'ai aussi lu le livre Because of Lila d'Abby Lines, auquel j'ai donné une note de 4 sur 5. Et j'ai finalement lu le roman Calendar Girl du mois de juillet d'Audrey Carlan, auquel j'ai donné une note de 3.75 sur 5. Je vous rappelle donc que vous pouvez aller voir mon avis complet sur tous ces livres-là dans ma vidéo update lecture dont le lien va être en barre d'infos et aussi au-dessus de ma tête. Et maintenant, je vous présente les autres livres que j'ai durant le mois de juillet. Donc, quatrième livre, voilà, que j'ai lu durant le mois de juillet. Il s'agit du livre Hello Forever de Sarina Bowen, qui est en fait comme le deuxième tome de la duologie Hello Goodbye, en fait. Donc, c'est une réédition de certains livres de Sarina Bowen. J'avais pas nécessairement super apprécié le premier tome, mais celui-là, je lui ai donné une note de 4.25 sur 5. Ce livre-là était tellement mieux que le premier. C'est parce que le premier, j'avais trouvé qu'il y avait un aspect religieux beaucoup trop présent. Et dans celui-là, j'avais peur que ce soit encore le cas parce qu'en fait, nos deux personnages principaux de ce livre-là se rencontrent dans un camp un peu organisé par l'église à chaque été. Donc, je pensais que la religion prendrait une super grosse place. Puis finalement, non. C'est vraiment le sport qui prend plus de place. C'est le basketball. Et encore une fois, c'est un sport que... On dirait que je suis dans les sports ce mois-ci. Que j'ai pas l'habitude de voir ou de lire sur ces sports-là. Donc, le basket, c'est pas un sport que j'apprécie nécessairement énormément. Là. C'est pas un de mes sports préférés, mettons, mais franchement, j'ai beaucoup aimé celui-là. Le sport prend quand même une bonne place dans le roman parce que c'est leur passion commune, en fait. Mais sinon, ça part dans un tout autre sens. Et j'ai adoré nos deux personnages principaux de ce livre-là. Je retrouve Sarina Bowen. J'ai eu des petites touches un peu de sa série Him et Us qu'elle a écrit avec Elle Kennedy. On dirait que c'était comme la préface, c'était comme les simples balbutiements de cette série-là. Ben, c'était comme là-dedans parce que on dirait que j'ai retrouvé des petits éléments. Et oh my god que j'ai aimé ça. Franchement là, je l'ai adoré. Je me demande même pourquoi j'ai pas donné une note plus haute finalement. Mais bon. Et franchement, il se passe des choses dans ce livre-là. Comme assez troublantes, assez haineuses. Je dirais pas quoi, mais c'est quand même assez intense. Ouh! Mais vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Je sais pas quoi vous dire de plus, sinon que allez le lire si vous lisez en VO, si vous aimez aussi les romances érotiques homosexuelles. Hein, faut aimer ça aussi. Mais je crois que Sarina Bowen, c'est vraiment une de mes auteurs favorites pour ça. Habituellement, je vous présente les livres que j'ai lus dans un ordre chronologique de lecture, mais cette fois-ci, je fais ça un petit peu différemment. Donc, je vous présente tous les livres que j'ai lus pour commencer durant le mois de juillet. Donc, le dernier en date que j'ai lu durant le mois de juillet, il s'agit du livre The Only One de Lauren Blakely, auquel j'ai une note de 3.25 sur 5. J'avoue, ça n'a pas été nécessairement le gros coup de cœur pour cette novella-là. C'était quand même assez bien parti, je vous dirais, parce que les personnages se sont rencontrés, ben, qu'on a vu légèrement dans d'autres tomes de Lauren Blakely, et actuellement j'adore Lauren Blakely, mais cette fois-ci j'ai pas embarqué parce que, comme je disais, le début était pas si mal. On rencontre des personnages qui se sont rencontrés comme 10 ans au début, puis 10 ans plus tard ils se retrouvent. Donc, je vous dirais que c'était genre super prometteur quand ils se retrouvent, mais plus ça va, plus on dirait que c'est viré comme trop romance, trop gna-gna pour moi. C'était comme vraiment trop intense pour des personnages qui se sont connus comme si peu de temps. En fait, se sont connus comme 3 jours quand ils étaient jeunes, début vingtaine, puis après ça, début trentaine, ils se retrouvent comme par hasard, comme ça. Ils se sont pas oubliés l'un l'autre, mais ils sont pas certains que c'est un puis l'autre. En tout cas, mais vraiment là, on dirait qu'au début ça allait lentement, puis après ça, ça s'est enchaîné tellement vite, mais genre beaucoup trop vite. Puis comme c'était une novella, ben il manque de détails, mais en même temps, je crois pas que les personnages étaient assez intéressants pour qu'on ait un livre complet sur ces personnages-là. Je crois que c'est parfait qu'il soit juste une novella, parce que je pense que j'aurais vraiment perdu d'intérêt si ça avait été un livre complet. Bon, peut-être que l'auteur aurait ajouté certains détails, mais j'ai pas trouvé les personnages comme hyper attachants non plus, donc
Donc voilà, ça l'a pas fait pour celle-là. Habituellement, j'adore tous les romans de Lauren Blakely que j'ai lus jusqu'à présent. C'était toutes des en haut de 4, là, je crois bien. Mais celui-là, ben, c'est une petite novella, puis je pense que ça fera pas partie du lot. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je vous ai présenté tous les romans que j'ai lus durant le mois de juillet. Et maintenant, je vous présente les BD. Et je vous les présente rapidement parce que je compte faire une vidéo spéciale sur ces BD-là, en fait, parce que ce sont trois BD de la même série. Donc, j'ai lu les BD de la série Aurélie Laflamme, donc le journal d'Aurélie Laflamme, qui sont basés sur les livres de India Desjardins. Et je leur ai tous donné une note de 5 sur 5. Donc, on a le premier tome ici qui est extraterrestre ou presque. Ensuite, on a aussi le tome Le Monde à l'envers, qui est le tome 2 de la série. Et on a finalement le tome Ça déménage, donc c'est le tome 3. Et vraiment, là, ces BD-là, c'était un vrai petit bijou. C'était un bonheur de lire ça parce que c'est tellement bien fait. Il faut que je vous montre certaines planches à l'intérieur. Ce que j'aime, c'est que, bon, déjà à la base, on a, dans chaque BD, on a 8 mois de la vie de Aurélie, en fait. Et si je comprends bien, à mon avis, la BD, ben, le quatrième tome de BD devrait être le dernier tome, parce que je pense que chaque BD est deux tomes, et deux livres en fait. Puis comme il y a 8 livres en tout, ben, je pense que je suis pas si mal en calcul, là, mais peut-être que ce sera pas ça non plus. Donc oui, on a chacun... Je vous montre rapidement, je veux juste trouver la bonne page. Ah, ça m'énerve! On dirait que j'arrive pas à tomber sur une bonne page. Bon, je vais vous montrer autrement, là. Mais si je vous montre ça comme ça, en fait, à chaque début de chapitre ou de mois, donc moi c'est un peu comme ça que je les voyais, on a vraiment une page toute manuscrite avec du journal d'Aurélie, en fait, et par la suite, ben ça se transforme vraiment en BD. Donc vraiment, j'ai adoré le concept. Aussi, à certains moments, on a des conversations, comme par exemple ici, on a des conversations sous forme de courriel. Sinon, je vous montre, il y a des endroits aussi, il y a des petits post-it un petit peu partout. Il y a des notes manuscrites de journal aussi en haut de la page. Donc vraiment, tout ça est mêlé avec l'aspect BD. Je crois pas qu'il manque nécessairement de gros éléments. J'ai pas lu la série Aurélie Laflamme, mais vraiment, j'ai adoré ces BD-là et je vous en dirai plus aussi dans ma vidéo review. Quand je disais que j'étais pas totalement satisfaite de mes lectures, mais que j'allais m'en contenter, c'est qu'en fait, j'ai commencé plusieurs livres durant le mois de juillet que je n'ai pas terminé aussi, donc je vous les présente rapidement parce que c'est ça qui a fait que j'ai moins lu, tu sais, j'ai pas terminé autant de livres que je voulais, mais j'ai quand même lu pas mal durant le mois de juillet quand même. Donc premièrement, j'ai lu 90 pages du livre La Dame de Knox de Sonia Alain. Ensuite de ça, j'ai lu 80 pages du livre Follow Me Back de Evie Jagger, je crois que ça se prononce comme ça, je sais jamais. Et finalement, mais non le moindre, j'ai lu environ 200 pages de Outlander, donc le troisième tome qui est le voyage de Diana Gabaldon. Donc c'est pour ça en fait que j'ai pas terminé autant de livres que je l'aurais voulu. Déjà cette brique-là, lire 200 pages de ça, c'est quelque chose, laissez-moi vous le dire, parce que c'est écrit tellement, tellement, tellement petit, c'est minuscule, mais c'est tellement bon, my god, je me prépare vraiment pour la sortie, en fait, le début de la saison 3 qui va être le 10 septembre, ça a été annoncé maintenant, donc faut vraiment que je me mette à lire ça parce que c'est dans, veux pas, c'est comme dans 1 mois et 10 jours. Donc voilà, donc ça explique pourquoi j'ai pas lu autant que je l'aurais voulu. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo wrap-up. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire si certains de ces livres-là que vous avez lus, que vous avez envie de lire. Je veux tout savoir. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!